Yo tout le monde, c'est Wingams, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo hein, de déballage hein, sur une des paires de baskets d'un client. Donc ce sont des Balenciaga que j'ai reçues par E-Paquet. Voilà. Hein. Mimi, mon amour! Mon amour! Excusez-moi. Mon ami, ça va? Mimi, mon amour. Coucou, mon amour. Tu m'aimes, tu sais? Alors, je vais ouvrir ça. Donc, voilà. Oui, mon amour. Oui, mon amour. Je sais. Je sais. Tu penses que c'est quelque chose à manger? Balenciaga, putain. Bon, je sens que c'est au caoutchouc, hein. Franchement, ils ont des goûts, hein. Franchement, ils ont du goût, hein, ces gens-là. Ah ouais, c'est un peu cintré, là, par contre. T'as l'impression de... Ah ouais. Franchement... Je n'aimais pas les Balenciaga, parce que ça va pas avec tout le monde. Mais là, franchement, c'est propre. Franchement, c'est propre. C'est vraiment propre. Ah ouais. Pas sûr quand même, toi. Vous pouvez le remarquer ici. Vous pouvez le remarquer ici. Je sais pas si tu veux le voir. C'est ici quand même, toi, ici. Pareil. Ici, quand même, toi. Balenciaga, ici. Ce sont les Balenciaga d'un client. Voilà. Je les mets en vente sur mon site si vous êtes intéressé. Hein. Donc, voilà. Boum. Ah, c'est propre, franchement. Ça me tape de voir ça dans les pieds d'un client. Enfin, du client. Bon, ben. Voilà, hein. Franchement, c'est... Ah ouais, c'est propre. C'est vraiment propre. Bon, à l'intérieur, on a écrit Balenciaga Paris. Je sais pas si vous allez voir. Ça m'étonne que vous voyez. C'est écrit Balenciaga Paris. Je sais pas si vous allez voir ça. Balenciaga Paris. Franchement, ça fait comme une sorte de botte. Ah, j'aime bien. Je les aurais mis dans mes pieds. Dans mes pieds. Ah, mais c'est pas à moi. Genre, je vais pas les mettre dans mes pieds. Genre. Voilà. Ah, putain, c'est propre. Putain. Donnez-moi votre avis. Ah, c'est frais. Franchement. C'est frais. Le client m'a donné un acompte de 66 euros pour passer la commande pour lui. Et là, le client doit me donner 70, 80, 90. Le client doit me donner 40 euros. Donc, ça va faire 96 euros. Voilà. Bah, n'hésitez pas à me donner votre avis. Hein. Si vous êtes intéressé, vous me dites. Qu'importe la paire. Et puis, vous m'envoyez la photo. On voit ensemble. Mais personnellement, vous verrez cette paire de chaussures sur le site même. Ouais, voilà. Que dire de plus? Puis aujourd'hui, j'ai été à Destreland. J'étais à Carrefour Destreland avec Didi, Freddy. Lui que vous avez vu sur la chaîne dernièrement, que j'ai offert une paire de Jordan. Je pense que qui ne tente rien dans sa vie, il n'a rien du tout.
Et aujourd'hui, il y avait un cas Covid. J'avais rendez-vous avec une instance sociale. Ben, en fait, m'a dit à la dernière minute qu'en fait, il y avait un cas Covid et que ils se sont excusés après. Ils se sont excusés après par rapport à ça. Ben, je dois aller mieux, vous savez, hein, je dois avancer, je dois pas rester comme ça, tu vois. Voilà. Je dois pas rester comme ça. Puis je suis une jeune femme, donc j'ai pas fini de voir l'aventure. Je vais faire en sorte d'être la personne que je souhaite avoir dans ma vie. Parce que c'est à partir de là que, sans même vous rendre compte, ben, tôt ou tard, ben, la personne qui vous est destinée, elle reviendra vers vous. Enfin, elle viendra vers vous. Elle viendra vers vous. Parce que tout simplement, vous êtes la personne que vous voulez avoir dans votre vie. Donc, franchement, cette phrase, elle est puissante. Elle est vraiment puissante. Et en fait, vous êtes heureux vous-même. Et sans même vous rendre compte, ben, en fait, vous attirez la personne même que vous voulez qu'elle soit dans votre vie. Qu'elle est destinée pour votre vie, si vous préférez. Et puis après, il faut toujours savoir pardonner. Toujours savoir pardonner. J'ai jamais accepté que moi et mon ex on soit amis. Parce que je le considère pas comme un ami. Mais bon. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas envie de me renfermer sur moi-même. J'ai pas envie de fermer mon cœur. Parce qu'en fait, je suis une personne, je suis toujours joyeuse. Je suis toujours joyeuse. Vous savez, les deux bases, avant, j'arrivais pas à m'exprimer. Avant, je gardais les choses pour moi, je m'enfermais sur moi-même, je pensais que c'était la meilleure solution, que personne n'allait me comprendre. Et puis au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai compris qu'en fait que c'est en ayant une communication avec les gens ou avec les gens de ton entourage ou avec la personne que tu aimes bien discuter, bah, en fait ça te libère et tu te sens mieux, tu vois. Et voilà, et c'est pour ça que je suis contente d'avoir un animal de compagnie en même temps, parce que tout simplement, un chat, ça enlève tout le stress que vous avez. Et franchement, ayez un chat dans votre vie, ou sinon un animal de compagnie, un chien ou un chat. Et puis voilà, coucou mon amour, coucou mon amour, elle est tellement mignonne. Coucou mon amour. Coucou mon amour. En fait, j'ai été dans les rayons pour les habits pour bébé. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup les enfants. Il y a un moment de ma vie, j'ai rêvé de fonder une famille. J'ai rêvé de fonder une famille. Parce qu'en fait, je me sentais tellement seule que j'ai rêvé. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais toute seule. Parce que je me ressentais rejetée par les autres. Quand j'étais à l'école, j'étais harcelée. J'étais harcelée, vraiment harcelée. Que ce soit à la maternelle jusqu'au lycée, j'étais harcelée. Tout au long de ma vie, tout au long de ma vie, j'ai été harcelée. Harcèlement scolaire. Et j'ai voulu créer cette chaîne One Games pour pouvoir m'amuser, pour pouvoir partager mes exploits, mon aventure, mon enthousiasme, faire rire les autres, etc. Qui fait qu'après, petit à petit, ça a commencé à enlever la timidité que j'avais en moi. Et voilà. Je pense que si j'avais pas cette chaîne, ben, en fait, je serais plus que dans la dépression, hein. Parce que cette chaîne, elle est importante pour moi. Il y a un moment, tellement que je me sentais pas bien, je me suis dit que je vais fermer cette chaîne.
Mais après, je me suis rappelé de ce trophée, des 200 abonnés. Quand je l'ai franchi, je pensais jamais que j'allais avoir 200 abonnés. Et il y a certaines personnes que je remercie qui se sont abonnées à ma chaîne, justement parce que voilà, sans eux, je serais pas arrivé à ce stade-là. Et bon, après, ça me fait du bien de parler avec vous, hein, parce que vous êtes ma communauté. Vous êtes ma communauté et je vous aime, même si je ne vous connais pas, on s'est jamais vu. Mais vous participez à mon aventure, je vous partage mon aventure. Donc vous êtes dans l'aventure avec moi. Et moi, je vous remercie pour ça parce qu'aujourd'hui, je ne serai pas ici. En fait, mon rêve a toujours été aussi hein, d'avoir 1000 abonnés. Mais après, je me dis que vaut mieux avoir la qualité que la quantité. Vaut mieux avoir une bonne communauté que d'avoir une quantité de communautés qui sont de fausses communautés. Tu vois? Et puis, je suis contente parce que vous êtes actifs. La plupart d'entre vous, vous m'envoyez des messages pour essayer de me consoler. Parce que ça n'allait pas. Il y a un moment, je ne vais pas vous mentir. J'étais vraiment en dépression. Je mangeais pas. J'avais le dégoût de la vie. Et même mon frère de cœur, hein, il avait remarqué ça. Et il m'a dit, faut pas que tu sois en dépression comme ça. Reprends-toi, mange correctement, etc. Et voilà. Hein. J'étais vachement triste, hein, mais... Maintenant, je sais que il faut que j'exploite mon plein potentiel. Que je dois être la personne que je veux qu'il soit dans ma vie pour que moi, intérieurement, je sois heureuse et pour que j'attire cette personne-là qui m'est destinée dans ma vie. Et en même temps, je dois changer, je dois m'améliorer, je dois faire des efforts dans ma vie pour pouvoir avancer. Je ne dois pas faire marche arrière, tu vois. Les erreurs du passé, on ne peut pas les effacer, mais on peut toujours construire autre chose, on peut toujours avancer. Bon après je sais que mon père il n'aimait pas le fait que j'étais sur YouTube parce qu'il m'a toujours dit qu'en fait tu penses qu'à jouer aux jeux vidéo alors qu'en fait c'est une passion pour moi. Ça a toujours été une passion, c'est quelque chose qui me divertit. Et puis j'aime partager ma joie aux autres. J'aime quand parce que quand vous êtes en train de regarder mes vidéos, vous participez, vous êtes dans l'aventure avec moi. Et ce que j'aime, en fait, j'aime vous embarquer avec moi dans l'aventure. Et moi, c'est pour ça que je vous aime, et c'est pour ça que j'aime le fait que vous soyez là pour moi, que vous soyez ma communauté. Et voilà, je vous aime. Cœur sur vous. Même si vous voyez certaines de mes vidéos un peu fofolles, ben, peut-être, certains d'entre vous n'aimez pas peut-être mon contenu, ben, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, je suis heureuse. Et moi, j'aimerais que vous soyez là, le fait que je partage cette joie avec vous. En tout cas, je vous remercie d'être là. Et puis, pour moi, pour aller mieux, je vais faire en sorte que, en fait, que cette chaîne, elle est plus vivante que jamais. Que je fasse quelque chose pour que cette chaîne elle avance. Bon, je ne vais pas tout vous dire, mais je prévois que cette chaîne-là, elle sera remplie de dégustations. Et en fait, j'ai pas envie de vous décevoir. Donc, je ferai en sorte de télécharger des jeux, etc., pour partager l'aventure avec vous. Ouais, ça me manque les bonnes vidéos avec mes abonnés là. Et pour pouvoir construire quelque chose dans ma vie, c'est comme ça. Pour tourner la page. Pour essayer de vraiment claquer cette page, jeter ce livre par la fenêtre, la brûler, la déchirer, la jeter et installer de nouvelles croyances dans ma vie. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. C'était Wang Games. Je vous aime. En tout cas, prenez soin de vous, hein. Pour le moment, je ne serai pas en live, mais je vais faire en sorte de faire des vidéos et de vous partager ça. Merci à tous.